Simseon. Ouais, voici Captain Fleur, plus connu sur le nom de champion MCA sur une nouvelle aventure, sur un nouvel essai de jeu. Pour cet essai de jeu, nous sommes avec Brawl Star, qui est un jeu de Supercell. Et oui, il fête aussi les 10 ans de Supercell avec ce jeu-là. Ce jeu, c'est quand même, c'est plus quand ce n'est pas un jeu ou que tu vas construire des villages ou quoi que ce soit. Ben, c'est un jeu axé sur les combats, littéralement uniquement sur les combats, de ce que j'ai pu comprendre. On va faire un jeu, c'est simple, on est en équipe de 3 contre 3, je sais pas si ça vient plus de monde plus loin. Ouais, je sais juste plus comment me déplacer. Puis le but aussi, c'est de ramasser des diamants. L'habitude non plus. C'est normal un peu que je meurs parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Justement, la dernière fois que j'ai joué, c'est un certain temps. Je pense que ça va être une victoire. Oh. C'est une victoire. Ben ouais. Qui est bien. Et je suis monté au rang 2. Parfait. Bon, il y a plusieurs, il y a des coffres qu'on peut débloquer plus qu'on au fur et à mesure que l'on avance. Comme un Clash Royale dans le fond là. C'est comme Clash Royale, mais la différence c'est que c'est toi tu contrôles le personnage, c'est toi qui attaques, puis t'es en équipe. Dans le fond c'est pas mal ça le jeu. Comme un peu Clash Royale, mais c'est complètement différent. Ok, c'est quoi ça? Bien sûr, t'en as là, puis qu'on prend rien. Parce qu'il faudrait que j'aille dans les options. Puis le mettre en français, parce que. Français, ok. Supercell, 10 ans. C'est ça, c'est là le menu. Beaucoup mieux maintenant. Nouveau. T'es sauté. D'accord. On peut améliorer les personnages. Comme c'est vraiment comme que je vous dis, c'est un peu comme Clash Royale. Littéralement. Bon, ça va être pas mal tout pour ce jeu. On m'avait proposé en commentaire, puis voilà que je le fais. Ben, beaucoup plus tard que le commentaire, mais que voulez-vous. Depuis quelques temps,
je travaille beaucoup, je travaille à temps plein. Quelque temps, j'ai plus ou moins la motivation de faire des vidéos pour être honnête. Je l'ai déjà dit. J'avais dit que je ferais, j'essaierais de faire un rush de vidéo, je l'ai même pas fait. Je pour vous dire que j'ai même pas la motivation. Pour les lives, par contre, il y a une journée que ça ne tentait pas. Il y a deux samedis. Faut vous dire les vraies dates, là. On s'entend. Le 16 mai, ça ne tentait pas. Le 23 mai, vu que je devais une journée de congé, mais je me suis dit que je ferais pas de vidéo, puis je ferais le 25. Le 23 mai, finalement, j'ai rentré pour travailler en temps supplémentaire. Le 25 et le 26, j'étais en congé. Puis, disons que j'en ai profité pour magasiner des choses, vu que ça faisait longtemps. Le prochain live ne sera pas samedi le 30, mais bien le 1er juin. Lundi le 1er juin sera mon live, mon prochain live. Je suis désolé pour ceux qui veulent regarder mes lives. Mais que voulez-vous? Je suis un service essentiel. Ah, pour ça! Et c'est pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'espoir. C'est pas toujours monsieur sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Peut toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.